En jouant, il se souvient. Il réouvre un sillage où apparaissent des formes, des couleurs, des mots. Par là, il longe du doigt une nervure de son histoire. Il ne contemple pas ce qui la reproduit, mais plutôt la nature, qui se répète d'elle-même, avec ses propres lois. Du souvenir, il se trouve en amont. Il est aussi en aval de ce qui va encore faire trace pour lui. Debout, il est au point d'équilibre. Alors, il ordonne. Assise sur les marches en bois, elle se souvient d'un temps qui n'a jamais existé que dans une solitude peuplée par les bruits de la nature, ceux-là même qui font la couche tiède où repose le songe. Il y a la lumière blanche du jour, et l'autre, orangée, celle qui vacille. Elle se touche. Regarde. Ouais, c'est une branche. C'est un cadavre. Mais non, c'est pas un cadavre, c'est une branche morte.
C'est une branche morte. Une branche morte. Reviens! 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 De main en main, les objets vieillissants ne cessent d'intriguer. Celui ou celle qui s'en empare en est finalement saisi. Parfois, le lierre semble faire tenir debout les arbres et les ruines. Ainsi, quelque chose perdure.
qu'il y a une permanence des choses, une flottaison. C'est le geste alors qui va faire mouvement pour dissiper un instant le regard fixé sur l'objet.